Bienvenidos a Bayón. Estamos acá en el País Vasco, en el estadio de magnífico estadio de Bayón. Hoy vamos a hablar de un jugador de rugby argentino. Pasó por Belgrano, jugó el rugby en el Córdoba Athletic, estuvo en Montpellier y actualmente se desempeña en Bayón. Su nombre es Martín Bustos Moyano y su apodo es El Negro. Attention, le negro, faut faire quand même un petit peu gaffe quand même, hein, parce que bon, bah, dans notre pays, El Negro, je veux dire, faut faire attention. Hein? Realmente, merci. Sos un desastre como periodista. Oui, je sais, merci, je suis gentil, je suis beau. Hein? Je vous propose de le découvrir. Don't cry for me, Argentina. Dans les tribunes, c'est souvent Argentina, Argentina, la machina. Boludo ou la grinta. Negro, voilà. Negro. Negro. Aucune, c'est un Argentin. Généreux. Bah, sa vision du jeu. He's confident. Gentillesse. La gentillesse. C'est le dandy. La classe. Et très bon copain. Et l'Argentin. Très ambitieux. Trop généreux. Sans monosourcil. Non. He's too confident. Radin. Martin. Rien. Me quiero Biarritz. No sé. Me gusta Biarritz. Te amo Biarritz. J'aime Biarritz en espagnol. Allez les bleus. Quiero Bayona. Victoire. Victoire. On gagne, juste, de 2 points. On gagne 21-19. On prend un point de bonus défensif. Je pense qu'on va gagner par 4 points. Là ? La rosa. La rosa. Je connais pas. Está bien. La rose. C'est une ville en Espagne ? La rosa. La rosa, une fleur ? Anton Pekrishvili. Petrishkivili. Pekriyashvili. Anton Pekrishkevo. Pekrishvili. 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 Pekri et plus loin, Jvili. Ouf. P-E-K... Je sais pas, je peux pas. P-E... T-R... I... S... C-H-K... V-I-L-I. P-E-K-R-E-C-H-I-V-Y-L-I. P-I-K-R-I-E-S-H... V... L... P-E-K-R-I-S-H-V-L-I. P-E-I-K-R-I-S-H-V-L-I.
S-H-V-I-L-I. C'était un grand rugbyman à l'époque où j'étais pas né. D'ailleurs, le stade s'appelle Jean Degé. C'était le grand-père de notre entraîneur. Un très ancien joueur de club. Le grand-père de Vincent Cheto. Ouais, là, je passe pour un con, là. Le grand-père de Vincent. Le grand-père de Cheto. Aitachi. Décevant pour un Argentin, très décevant. Je l'imagine très bon. Ah, il est pas mal, mais il est râleur, il est mauvais joueur. Il est très bon. Très bon joueur. Il a raté sa carrière, il aurait dû aller à Boca Junior. Messi, mais un peu plus grand, un peu plus noir. Je suis très bon. Leur proie ? Ils sont mat de peau, les deux. That's awful, isn't it ? Les cheveux ? Ah, c'est dur. Ils se ressemblent un peu, non ? La couleur de cheveux ? Le ventre. Le talent. Et les cheveux noirs avec les rouleaux. Cuba Libre. Le vin rouge. La ceinture. Le Fernet Coca. Fernet Branca. Fernet Branca ? Fernet Branca. Fernet Coca. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonné. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bâillonné. Jouer au rang, puis écarter CDC. On applaudit à vos exploits. T'es arrivé quand ? 2010 en France ? J'arrive en 2010 à Montpellier. Montpellier. Quel souvenir tu gardes de Montpellier ? Très bon souvenir parce que c'était ma première saison en top 14. On a fait la finale. Grâce à une belle pénalité. Merci. Tu t'en rappelles ? Bah, contre les Racines, au ancien stade Vélodrome. Ouais. Donc tu te plais à Bayonne ? Ouais. Ouais, mais c'est une très belle ville. C'est vrai que j'habite pas à Bayonne, je suis anglais. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en dehors du rugby ? J'essaie de finir mes études. Ah, qu'est-ce que tu fais comme étude ? Avocat. Il me reste 12 ans. Tu as quel âge ? 30. Il est temps, hein, grand. Non, mais c'est bien, donc, tu veux faire avocat. Ouais. Et tu te vois où après le rugby ? Tu veux rester en France, retourner en Argentine ? Ça, c'est pas trop clair encore. Je pense que pour le moment, on va rester en France. Donc c'est pour ça que j'ai déposé mon dossier pour avoir la naturalisation. Et ça donc, se passe comment ? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles encore. Ah, je connais du monde sinon. Hein. Ok, on parle après. Alors. Mais non, l'idée c'est de rester ici pour le moment. Ma femme est enceinte, donc elle va coucher bientôt, dans 2 mois. Petite fille ? Petite fille. Tu as le prénom ? Martina. Martina. Voilà. Martina Bustos Moyano. Ah, comment tu dis ? Martina, ouais. Bustos. Bustos. Moyano. Moyano. Ah, moi je disais Moyano. Ah oui, tout le monde a dit comme ouais. Ça. Et alors ton surnom ? Negro. Negro, c'est alors, parce que tu me ressembles ? Voilà, c'est ah, ça. Ah d'accord. Ouais, ici au club, j'ai pas mal de surnoms. D'accord. Ouais. T'as quoi ? T'as d'autres surnoms ? Il y a mes machines, Puto, il y a. Puto ? Ah ouais, Puto. Oui, oui, oui. D'accord. Cora. Bon. Oui. Ah d'accord. Bon, comment tu vois cette fin de saison avec Bayonne ? Parce que tu imagines une demi-finale ici à Jean Degé, tout le Pays Basque derrière vous, le stade plein à craquer, ça doit être énorme ça. Ouais, c'est vrai. Et tu imagines une demi-finale contre Biarritz ici ? Contre qui ? Biarritz. Bon, quel est l'objectif du club, tu le sais ? Monter en top 14, le plus vite possible. Donc cette année, demi-finale Jean Degé, et ça c'est fait ? J'espère, hein, ouais, c'est ça l'idée, c'est l'objectif.
Ça te manque l'Argentine? Oui. Tu y retournes souvent? Oui, j'y vais une fois par an. Une fois par an? Ouais, ouais, oui. Toute ta famille est encore Toute là-bas? Ma famille est là-bas, mes amis. Les tu, parler. Tu suis ton club de cœur? Ouais. Où t'as commencé? Ouais, toujours. Toujours. Et ouais. Le foot aussi? Toujours. Tu suis quel jour? Plus que jamais, le foot. Le foot, c'est vraiment. Ouais. T'aurais préféré avoir un ballon d'or que l'Oscar midi olympique, finalement, qui ne ressemble pas à grand chose hein, aujourd'hui, parce qu'on le donne vraiment à n'importe qui. C'est vrai, c'est pas sérieux. T'aurais vraiment aimé faire une carrière dans le football? Oui. Ouais, peut-être. Je suis un footballeur frustré. Des fois, quand je rentre en Argentine, j'essaie d'organiser un match de foot entre potes pour nous amuser. Bon, alors, je voulais te prendre au foot parce que. Toi, on t'appelle peut-être Maradona, moi, on m'appelle Pelé, hein, parce que bon, j'ai une certaine technique, une aisance au pied et tout. Donc, je vois que t'es blessé, je vais pas pouvoir te prendre sur un vrai terrain. Par contre, ce que je fais, je te donne rendez-vous chez toi, à la PlayStation, puis on va voir. Pas de problème. Avec quelle équipe? Ah ben, je vais prendre... je vais voir. Ok. Toi, tu vas prendre qui? Je sais pas, je veux pas te dire. Bon, on verra ça tout à l'heure. Allez, ça marche. C'est la Peña, Bayona.